T'as manqué d'attention quand t'as grandi, tes parents t'ont pas aimé? Ça fait longtemps que je veux faire ça. Aller à une classe de peinture, mais avec genre les modèles tout nus, tu sais. Je veux infiltrer ça. Les classes, ils arrêtaient pas de le mettre la semaine après. Là, finalement, il y a la classe. Si ça marche, c'est un banger. Je suis dans la liste des artistes. Bonjour. Yes. Georges. Saint-Pierre. En effet, la modèle était bel et bien tout nue. Mais j'ai vite réalisé que c'était finalement un gars. Moi, j'ai un parcours artistique. J'ai commencé à cause de Kanye West. Son album Life of Pablo. Vous connaissez pas? Donc, Pablo Picasso. Ah oui. Ouais. Ça, c'est comme ça que je fais. C'est quoi ça? Acrylique? Ouais, exact. Acrylique, hein? Acrylique créola. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez? Vous essayez de le faire en... Je peux vous apprendre si vous voulez. Un peu. Non? Merci, c'est gentil. Après quelques minutes, j'avais déjà terminé mon œuvre d'art. Mais l'atelier était plus long que je pensais. Genre, beaucoup plus long. Mais juste avant de partir, plusieurs m'ont dit qu'il y avait un autre endroit plus spécial qui s'appelait Dr. Sketchy. Mais y a-tu d'autres ateliers de même? Il y en a un que c'est l'atelier Sketchy. T'es jamais été? Ouais, non, c'est ça, je sais pas. Ok. Serais-tu dans le dialogue avec moi? Non. Non. On va pas en date, non. Non. Dr. Sketchy? Dr. Sketchy. C'est là que je vais aller, je pense. Yo! Ensemble? Ça va, bro? Là, on s'en va faire des dessins, mais genre des fées tout nues. Ok. T'as déjà fait ça ou pas tant? Même pas, je vais faire de mon mieux pour dessiner, ouais. Je suis allé premier spot, à la place d'une fille tout nue, c'était un gars tout nu. Ça dessine des gars comme ça? Ouais. Bruh. Quoi? Ça serait pas un gars. Oh, ouais, c'est pas un gars. Tu l'as fait en mode géométrique? Yeah. Abstrait. C'est pas le gars, là, youtubeur, là, qui fait les activités, tout ça. C'est comme, ça va que c'est comme un guépard avec un genre et un éclair, genre. Mr. Beast, tu veux qu'on soit comme lui? Ouais, je sais même. On va être comme Mr. Beast, mais en France. Ok. Dans le fond, toi, t'es un entrepreneur, c'est ça? Ouais, j'essaie d'être un entrepreneur. Tu veux être un entrepreneur dans la compagnie Shaheen? Oui. Même si j'ai pas beaucoup d'heures, je peux être bien payé, hein? Yo! T'as même pas besoin de travailler pour vrai. Je veux juste que tu sois le chef, tu vas être bien payé. Mais... Yo! Shout out à la compagnie française. Ici, on est à Montréal. J'espère que vous allez aimer les vidéos qu'on va faire. For real. Elle est belle. C'est pas ton genre? Ça pour être ton genre. C'est mon genre. Est-ce qu'ici, c'est des experts ici? Ben, c'est un peu de tout. Du monde dans les disques du jeu, t'as des peintres. Lui, mon ami, c'est un peintre professionnel. Il a amené une de ses toiles. Ça, c'est juste au cas où quelqu'un se blesse ou? Non, ça, elle est blessée. Oh, elle est blessée? Elle s'est blessée hier le matin. Wow. Puis elle garde la pose quand même? C'est comme ça, nos modèles, hein? Ils sont badass. Ah, ouais? Moi aussi, je suis badass quand même. Tu veux du matériel? Tu veux des pinceaux ou des crayons? Elle est vraiment belle. Mais t'as vu, elle s'est pété la gueule. Elle avait genre des béquilles. Oh ouais. Oh, shit. Salut. Allô. Ça va? Ça va, salut. Ouais. Je voulais juste t'angle. Quoi vos noms? Rachel Estelle, c'est calculé ou? Genre, vous êtes pas sœur? Non. OK. OK, vous êtes bonne, vous? Ça va. C'est pour ça que vous pratiquez, là. Mon ami, il est bon, lui, là. Il prend des cours de dessin. Son nom, c'est Big Mitch. C'est pas une histoire de musique. Désolé. Est-ce que vous prenez des propositions de musique? Non. Non? Thunder, AC/DC. Ben, si jamais la playlist finit, peut-être. OK. Juste, vous prenez juste pas. Non. OK. Il veut pas changer. Dis-lui. Tu voudrais pas, toi? C'est bon? Ouais, tout en arrière. Et les rideaux qui cachent un peu, mais... C'est quoi votre nom? Philippe. Moi, c'est Georges Saint-Pierre. Enchanté. Enchanté. De qui?
Peut-être. On va prendre un break d'une quinzaine de minutes. Genre, ouais. Pierre, là, t'es un champion de québécois de combat ultime. Tu sais, là, l'ultime fight, là, tu sais, là, où ils se battent là, dans une arène. Ah, ouais. Tout ça, là. Moi, je suis pas un gars de viande. Moi non plus, j'aime pas ça. J'écoute le sport, puis il y a tout le temps des annonces. Là, il fait des annonces pour bet99.net. Bet99? Il y a du mérite pour ça, mais moi, j'aime pas ça. Non, non, vous aimez pas ça. Content de vous rencontrer, Philippe. Comment vous faites pour être aussi bon? Je vais m'asseoir dans ma respiration. T'asseoir dans ta respiration? Me déposer. Ouais. Est-ce que vous déjeunez ou non? Vous déjeunez? Ouais. Hein? Moi, je déjeune pas. Genre, je trouve qu'on n'a pas nécessairement besoin de manger aussitôt si on n'a pas faim. Moi, je fais la même affaire. Non, hein? Je vois aller, là, pour vrai, vous êtes. Ça paraît que c'est... vous êtes fait pour ça. Ouais. Moi, c'est plus des vidéos. Des vidéos? Ouais. Je fais des trucs différents à chaque semaine. Ah ouais. Jouer au bowling, je suis allé bingo, câlineur professionnel. Quoi? Câlineur professionnel. Ouais. Mais non. Je te jure. Incroyable. J'ai entendu parler de ça. J'ai fait ça. Puis en plus, à cause de la COVID, il y avait un plastique. Genre, tu vas à travers le plastique. Ben, c'est aussi, je veux juste me prouver que je suis le meilleur dans tout. En arrière. T'as manqué d'attention quand t'as grandi, tes parents sont pas aimés? Sors, sors. T'as besoin de quelqu'un qui te suit? Dégage! Mes parents sont morts. What? Le gars, il s'est fâché, le DJ. Ben ouais. Pourquoi tu penses? Non, t'es pas de monter, il était ici. Ouais, là. On a fait dessiner, là. J'avoue, mais comme... Ça aurait fait du bien du AC/DC. Je pensais que c'était avec Request. Là. J'ai un ami artiste right there. Il a pris des cours puis il essaie d'apprendre. C'est pour ça qu'on est ici. Salut. C'est Michel. Hugo. On l'appelle Big Mitch. T'es français? Oui. Okay. Tu viens d'arriver? Oui. Ah ouais? Il y a 4 mois. Ah, il part. Il y a 4 mois? Ouais, c'est ça. Nice. Y a-tu des artistes en France? Ouais, il y en a. Ici, on en a. Là. Genre Ginette Renaud, Jurki. C'est des gros artistes. Tu veux montrer ton. Ah, ok. Je te présente le roi géométrique. Lui, surtout dans ce monde parallèle, parce que j'ai deux lunes. Lui, c'est la lune puis le soleil. Genre là, il est sur son trône, genre. Tu voulais le vendre, hein, c'est ça? Ouais. Serais-tu un acheteur? Ah, j'ai pas d'argent. Je le vois, genre, dans un living room ou quelque chose. C'est ça, là, comme... Bravo! Merci, Black Mamba. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent au monde qui s'essaye. Ouais. Là-dedans. Allô? Legit. Merci, Black Mamba. Est-ce que vous êtes fan de Kobe, par hasard, ou...? Non, de Tarantino. Ah, OK. C'est son personnage principal dans Kill Bill. Vous étiez vraiment bonne. Bye! Ouais. Juste m'excuser puis squash le beef. Ah, c'est correct. Je voulais pas diss le playlist. Il était quand même gentil, là. Il nous a pas crissé dehors. C'est ça qu'on disait, moi puis Big Mitch. Tu peux pas faire de prank à Montréal puisque le monde sont ben trop fucked up. Là puis genre New York, peut-être. Mais Montréal, c'est pire. Big Mitch, comment c'est son... T'as déjà un chum? Quoi? T'as déjà un chum? I'm gay. Ah, OK. J'ai dit I'm gay. Mais là, tu penses que c'est vrai? Ouais.